C'est la plus grande opération aéroportée jamais imaginée pour sauver une espèce. Par là, j'ai vu quelque chose. Le rhinocéros. Le patron de l'opération, c'est Jacques. Il est vétérinaire. À l'aide d'un fusil hypodermique, il doit endormir l'animal. Le compte à rebours commence. Jacques et ses hommes ont 30 minutes pour agir. Après, le rhinocéros risque de se réveiller. Soyez doux avec lui, les gars. Allez, on l'attache. Fixe bien les lanières. L'animal pèse plus d'une tonne. On lève. L'intérêt de cette opération, c'est d'implanter de nouvelles populations de rhinocéros à travers tout le pays. En multipliant les foyers de peuplement, ils vont se reproduire plus vite. Ce rhinocéros ne saura jamais qu'il a fait son baptême de l'air. Jusqu'à la première route carrossable. L'essentiel de son voyage se fait en camion. Tout va bien, il respire, la tension artérielle est bonne. L'animal traverse le pays dans le plus grand secret. Le lendemain, arrivé en lieu sûr, il peut être relâché. Des rhinocéros sauvés par la voie des airs, il y en a eu 130 depuis 2010. Le rhinocéros fait partie des 5 stars de la savane. Le fameux Big Five, avec l'éléphant, le léopard, le lion et le buffle. Mais des 5, c'est lui le plus menacé. Il n'en reste que 20 000 dans tout le pays. Les braconniers en veulent à leurs cornes. Vendues à prix d'or, elles auraient des vertus aphrodisiaques. Pour protéger leurs rhinocéros, les propriétaires des réserves font appel à des rangers privés. Toumi, 32 ans, est à la tête d'une unité de 18 hommes. Depuis le début de cette année, ils sont en état d'alerte. Les chiffres sont alarmants. Un rhinocéros est tué toutes les 6 heures. Au cours de leur patrouille, les rangers s'en croisent de moins en moins dans la savane. Là, j'ai vu un rhino blanc. Il est là-bas, sous l'arbre. Il nous laisse l'approcher parce qu'il sait que nous, on est là pour le protéger. À chaque fois que j'en vois un en pleine nature, je pense aux dernières carcasses que j'ai découvertes ici. Certains rhinocéros avaient la tête complètement mutilée. Je suis heureux, d'accord, mais je suis aussi très en colère.
Toumi et ses hommes vivent en autonomie complète. Ils se sont déployés dans cette réserve pour 2 semaines. Comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Oui, ça va. Rien à signaler. T'as rechargé tes toki? Oui, je l'ai fait la nuit dernière. N'oublie pas que tu dois rester joignable. Allez, à tout à l'heure. Et préviens-nous au moindre coup de feu. Dans ces étendues sauvages, pas facile de mettre la main sur des braconniers toujours plus nombreux et plus déterminés. Une corne de rhinocéros se vend jusqu'à 200 000 euros sur le marché chinois. De quoi faire naître de tristes vocations. C'est le conducteur. Et à côté de lui, son complice. Tiens, tu vois, c'est le silencieux qu'on a récupéré. Il y a 8 jours, Toumi et ses hommes ont arrêté ces 2 braconniers. Ils risquent 15 ans de prison. C'est une bataille inégale que nous menons. Ils sont bien plus nombreux et ont plus de moyens que nous. Mais nous sommes déterminés, nous ne baisserons pas les bras. Même les armes de guerre ne dissuadent plus les braconniers. En désespoir de cause, la plupart des propriétaires des réserves se sont résolus à découper la corne de leur rhinocéros. Les mastodontes restent en vie, mais ils perdent leur principal moyen de défense et un outil précieux pour se nourrir. Mets les caisses ici, s'il te plaît. Alex, le vétérinaire, pense avoir la solution. On a des pansements, des bandages et un peu de scotch. On dirait un magasin de bricolage. Mais ne vous y trompez pas, ce qu'on va faire ici pourrait avoir de vraies répercussions sur la survie de l'espèce. On va implanter une corne artificielle sur la tête d'un rhinocéros. Et ce ne sont pas des petites bêtes. Ils sont en général très costauds. Alex part avec Damien, le propriétaire français du lodge. Ils sont à la recherche de Baleka, l'un des 7 rhinocéros que compte cette réserve. Il y a 6 mois, ils ont coupé la corne de cette femelle pour la mettre à l'abri des braconniers. Aujourd'hui, ils vont lui redonner un peu de sa fierté. Ok, on y va. Baleka pèse 2 tonnes. Il faut 14 personnes pour mener cette opération, une première mondiale. Tu ouvres le robinet d'eau, s'il te plaît. Alex va lui couler une corne factice à l'aide de ce moule bleu, l'empreinte exacte de celle d'origine. Enlève le bâton. Cette résine est ultra résistante, conçue spécialement pour ce genre d'intervention. C'est bon, c'est plein. Nous le faisons pour l'animal, mais aussi pour contenter tout le monde. Les propriétaires des réserves et les touristes qui veulent voir des rhinocéros avec des cornes. Grâce à cette prothèse, les rhinocéros ne devraient plus être tués. Baleka ne va pas tarder à se réveiller. Alex et son équipe doivent stimuler la circulation sanguine de l'animal. Ok, c'est bon. Damien compte généraliser cette opération à tous ses rhinocéros. Et il entend bien le faire savoir. C'est une solution qui est efficace, c'est vraiment où les gens savent que ça a été fait, que l'opération a été efficace. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus, parce que la communication fait entièrement partie de la procédure.
Ce serait complètement inutile de le faire si on le disait pas et si on le faisait pas savoir. C'est désormais inscrit sur des pancartes. Braconniers, passez votre chemin. Il n'y a aucune corne à prendre dans cette réserve. Quant à Baleka, dans quelques jours, elle n'aura plus de pansement. À sa place, une belle corne, presque comme avant. En attendant, les massacres continuent. Alors, pour sauver l'espèce, la priorité consiste à recueillir les survivants. Dans des sanctuaires sécurisés, gardés en permanence, dont l'adresse doit rester secrète. C'est à ce prix que les rhinocéros peuvent dormir tranquilles, sur leurs deux oreilles. Bienvenue dans le premier orphelinat pour bébés rhinocéros du monde. 15 pensionnaires dont s'occupe Gabi, la vétérinaire en chef. En ce moment, la petite Kumba, 3 ans, lui prend tout son temps. La petite orpheline est arrivée il y a 2 semaines. Sa mère a été massacrée. Elle aussi, on lui a tiré dessus. Les braconniers ont cherché à la tuer pour sa petite corne. Mais heureusement, elle a pu s'échapper. Elle a ensuite été prise en chasse par des lions. Vous voyez toutes ces entailles sur son corps ? Et ce morceau d'oreille qu'elle a perdu dans la bagarre. Come, Tandy. Come a bit closer. Yeah, you get to. J'ai appris à savoir à quoi correspondent les bruits qu'ils font. Parfois, ils pleurent. Parfois, c'est parce qu'ils veulent jouer ou qu'ils ont faim. Ils émettent plein de sons différents. Et là, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle se plaint parce qu'elle a faim. Trois fois par jour, Gabi et son équipe préparent le casse-croûte. La base, du lait en poudre, à diluer dans un peu d'eau, y ajouter une généreuse cuillère de sucre, mélanger légèrement, et vous obtenez du lait pour bébé rhinocéros. Ce sont de vrais biberons ? Oui, ils ont l'air gros, mais ils vont les boire en 3 secondes. À ce moment de la journée, ils en prennent 4. Et le matin et le soir, c'est 6. Allez, c'est fini. Ils en veulent toujours plus. J'ai dit stop. Venez. Allez, venez. Tous les matins, Gabi leur fait faire une petite balade. Ils ont d'abord commencé par le tour de l'orphelinat. Mais depuis quelques jours, ils osent s'aventurer plus loin,
goûter à l'herbe. Good girl. C'est bien. Les bébés rhinos sont en phase de sevrage. Nice grasses, eh? Elle est bonne, l'herbe. Ce que je désire le plus, c'est qu'ils redeviennent des animaux sauvages, même si c'est difficile pour moi, parce que j'ai été comme une mère pour eux. Alors forcément, les voir partir, c'est un déchirement. Mais je sais qu'au fond, c'est ma mission de leur permettre, un jour, de revenir à leur vie d'avant. Naturellement, les rhinos prennent peu à peu leur distance. Si tout va bien, dans 3 ans, prédit Gabi, ils devraient pouvoir être relâchés. Ensemble, ils vont apprendre à devenir de vrais rhinocéros. Cet orphelinat a fait école. D'autres se sont ouverts pour que le rhinocéros maintienne son rang dans le Big Five des plus beaux animaux d'Afrique.